De tutos sur internet pour se fabriquer soi-même son masque. Disons-le ici très clairement, ces masques faits maison ne sont pas efficaces. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le tissu ne permet pas d'arrêter les sécrétions qui sont émises par la toux. Il faut bien comprendre que le coronavirus, c'est ultra minuscule. Ça mesure 60 à 140 nanomètres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est 1000 fois plus petit qu'un cheveu. Et bien souvent, les fibres du tissu sont trop larges et elles ne sont pas assez serrées. Elles laissent passer donc le virus à travers. Il y a des tests qui ont été effectués par des scientifiques. D'un côté, un masque chirurgical, qui, on le rappelle, est d'ailleurs le masque le moins protecteur des masques certifiés. Et de l'autre, un masque fait maison. Résultat, sans appel, le masque en tissu est 3 fois moins efficace pour bloquer la transmission. Donc, on le rappelle une nouvelle fois, le meilleur rempart face au virus, c'est de respecter les gestes barrières, garder sa distance avec les gens, tousser dans son coude et se laver les mains régulièrement. Une question de Stéphane. J'habite